Cette randonnée à ski se trouve juste à côté de Sallanches. Pour rejoindre le départ, il faudra se rendre dans les villages du Burzier. Le parking se trouve à peu près à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup de place. Normalement, vous pouvez trouver une place facilement pour votre véhicule. Ensuite, il faudra monter un petit peu la route avec les skis sur le dos, sur une centaine de mètres, avant de rejoindre la forêt, où normalement, à cet endroit-ci, vous retrouverez de la neige. La randonnée démarre donc dans la forêt, en remontant toute la route. Et arrivé ici, vous allez sortir de la forêt et attaquer donc la combe, donc en passant à côté des chalets de Doran. Pour monter toute la combe, une grande combe, très jolie. Toute cette montée se fait avec une vue sur la pointe Percée. Ensuite, en bout de combe, vous attaquez vraiment la montée pour rejoindre vraiment le sommet, les quatre têtes. Pour la descente à ski, vous repartez un peu vers le nord, vers cette combe-là. Donc il y a plusieurs itinéraires possibles. Et en redescendant toute la combe, donc, pour rejoindre du coup le parking du Burzier. Voyons un petit peu ce que ça donne côté Garmin Connect. L'enregistrement GPS me donne une course de 15,42 km qu'on a réalisée sur une durée de 6 heures. Donc 4 heures de montée. Ensuite, nous avons passé une bonne heure au sommet des 4 têtes où nous avons pique-niqué. Alors cet endroit pour pique-niquer, on a eu de la chance, pas du tout de vent sur le sommet et une superbe vue sur toute la chaîne du Mont Blanc. Donc c'est très agréable, le point de vue est vraiment splendide. Une heure de descente à ski, donc ce qui nous a donné une ascension totale de 1500 mètres. Et le point le plus haut, donc les 4 têtes, c'est 2364 mètres. Et non pas, comme l'indique la trace ici, l'enregistrement de ma montre qui n'était pas calibré. Donc on n'est pas à 2700 mètres, mais bien 2364 mètres au point le plus haut. Voilà pour cette randonnée. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle randonnée. Ciao, ciao!